Salam alaikum, salam alaikum, bienvenue sur Marif TV, bienvenue sur votre chaîne préférée. Bonsoir Bruxelles, nous sommes avec vous jusqu'à 19h. Alors ce soir, une émission spéciale bien-être, spéciale Ramadan, où deux de nos spécialistes vous donneront des conseils, de magnifiques conseils. Alors ces spécialistes, vous les connaissez déjà, ils sont déjà passés il y a quelques semaines, même quelques mois déjà, pour vous donner des conseils. Hakima Moumen, salam alaikum. Salam alaikum. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Hakima, tu es diététicienne et nutrithérapeute, ouais. Également professeur de nutrition. Exactement. Donc, tu vas nous donner tous tes conseils qui s'articulent autour, on va dire, de l'hygiène alimentaire. Exact. En cette veille de Ramadan. Inch'Allah. Rojde Kassas, tu es notre, tu es notre personal trainer, notre coach sportif. Et tu es aussi instructeur d'arts martiaux. Karaté coréen, c'est ça? C'est bien ça. Alors toi, tu vas nous donner des petits conseils pour comment maintenir la forme pendant le Ramadan. Exactement. Quel exercice adopter pour ce mois sacré, ce mois de jeûne. Vous pouvez bien sûr réagir à notre émission via, parce que nous sommes aussi en live Facebook, via la page Facebook Maghreb TV. Et aussi via mon compte, puisque je partage tout de suite. Je partage tout de suite, on enlève. C'est une émission qu'on fait avec vous. On enlève, donc vous pouvez réagir via l'émission, via la page Facebook et aussi via le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran pour pouvoir poser toutes vos questions à nos spécialistes, à notre diététicienne et à notre coach sportif. Alors, à quelques jours du Ramadan, du mois sacré du Ramadan, donc de ce mois de jeûne, est-ce que déjà, c'est vrai que plusieurs spécialistes, on va dire, c'est un fait, le jeûne a pas mal de bienfaits, bien sûr. Alors justement, ma première question, quels sont les bienfaits du jeûne? On va dire scientifiquement parlant, quels sont les bienfaits du jeûne, Hakima? Ben alors, les bienfaits du jeûne sur l'organisme, c'est que déjà l'objectif, on va dire, principal du jeûne, c'est de venir nettoyer le corps de toutes ces substances toxiques qu'en fait qu'on a accumulées sur une année. Alors, il y a plusieurs bienfaits, donc je vais en citer quelques-uns. Déjà, par rapport à ces cellules mortes qu'on va en fait éliminer, il faut savoir qu'il y a des recherches médicales qui prouvent actuellement qu'en fait, si on jeûne un jour, on s'est purifié pour 10 jours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait 30 jours de Ramadan et 6 jours de Shawwal, donc ça fait 36 fois 10, donc ça veut dire que quand on a fait 36 jours de jeûne, on a purifié son corps pour 360 jours. Donc un an. Un an, subhanallah. D'accord. Donc ça c'est déjà l'objectif principal. Maintenant, au niveau des bienfaits, ça a un impact évidemment sur le surpoids. Parce que si on fait correctement le jeûne, c'est-à-dire que si on ne s'empiffre pas, on en parlera après, donc à la rupture du jeûne et donc entre le coucher du soleil et l'aube, si on ne s'empiffre pas, normalement, on est censé perdre du poids. Donc, ça a un impact sur le surpoids et sur l'obésité, si on fait ça bien. Donc, l'objectif, le défi, c'est de ne pas prendre du poids pendant le Ramadan. Si on a pris du poids pendant le Ramadan, c'est qu'on n'a pas fait un bon mois du Ramadan. C'est vrai que ça, c'est... On va dire qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui... Il y a celle qui prend beaucoup de poids pendant le Ramadan et d'autres qui perd beaucoup de poids. Moi, personnellement, je suis de l'école qui prend énormément de poids. Après, vous allez peut-être traiter mon cas. Rojdi, on va dire, automatiquement, on va dire, via notre métabolisme, normalement, on perd du poids pendant le Ramadan, même si on ne fait pas de sport. En ce moment, oui, vu qu'on jeûne plus de 20 heures, on perd un petit peu de poids. C'est vrai que c'est un facteur à prendre en considération. C'est un facteur, c'est 20 heures, on n'est pas hydraté, et on perd énormément d'eau. On perd du gras, mais comme disait Hakima, tout dépend de comment on mange. Donc, il suffit au fait de manger comme pendant l'année, donc manger des sucres, manger du gras, juste à l'aftour, ça, on ne perdra pas du poids. À ce moment-là, on va ou stagner dans le poids où on est, ou alors on va augmenter et prendre du poids. Donc il faut faire, pour moi, le Ramadan est bien donc, est positionné pour avoir une petite mise à jour au niveau de l'alimentation, parce qu'on va se rééduquer. Donc, comme la période maintenant, elle est très courte, il faut essayer de faire en sorte de manger le plus de légumes possible, le moins de sucre industriel, etc. etc. C'est vrai que dans cette période-là, donc, en tout cas depuis 3 ans maintenant, comme le Ramadan tombe en été, donc c'est difficile de trouver un régime adapté à, on va dire, à ses besoins, que ce soit les sportifs ou ceux qui veulent vraiment avoir une bonne hygiène alimentaire pendant ce Ramadan.
puisque on jeûne plus de 20 heures par jour. En tant que coach sportif, comment on se prépare ? Là, on est à quelques jours du Ramadan. Est-ce que, en tant que sportif, on peut se préparer à mieux accueillir ce mois ? Parce que, par exemple, si je donne un exemple, si ma séance de sport, je la fais en après-midi, et là, pendant le Ramadan, je sais qu'en après-midi, ça va être beaucoup plus compliqué. Pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas d'apport en protéines ou il n'y a pas d'hydratation possible. Donc comment on fait ? Est-ce qu'il vaut mieux la retarder juste avant l'heure de Maghrib ? Comment, de préférence, conseils tu pourrais donner, toi ? Le meilleur des conseils que je peux vous donner, donc, tout dépend du métabolisme de chacun. Donc, il y a des personnes qui s'entraînent toute l'année, qui s'entraînent d'une façon amateur. Il y en a d'autres qui sont professionnels et il y en a qui ne s'entraînent pas du tout. Donc, je vais parler en général, il faudrait préconiser donc, de s'entraîner après le Ftour. Donc, une fois que la digestion, une fois qu'on a mangé, donc bien sûr en mangeant des choses intéressantes et pas trop lourdes. Donc, après le Ftour, 2 heures après, une fois que la digestion s'est faite, on peut éventuellement faire une petite séance de sport. Mais il y a des personnes qui, qui s'entraînent toute l'année, donc moi ou toi par exemple. Il est possible de préparer un petit peu ce Ramadan bien avant. C'est donc de faire un maximum de cardio pendant le Ramadan et éviter tout ce qui est musculation, donc contraction musculaire, vu qu'on n'est pas hydraté, etc. Ça, c'est juste avant le Ftour. Donc, c'est possible de le faire, mais je conseille de le faire, un exemple, à 20h. Donc, à 20h jusqu'à... 2 heures avant. Deux heures avant, une séance d'une heure, très calme. Faut pas trop forcer. Parce qu'il y a pas mal de crises dans les salles de sport et on en y force dès les premiers jours. Voilà, Il faut écouter son corps aussi. Il faut écouter son corps. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a des professionnels, des gens qui sont sédentaires et qui sont amateurs, donc qui font du sport 3 fois par semaine. Il y a des gens qui commencent seulement le sport pendant le Ramadan. Donc ça, c'est à déconseiller. Donc si on fait du sport toute l'année, oui. Mais pendant le Ramadan, c'est un mois de... au niveau idéologique, c'est parfait, mais au niveau sportif, il y a des règles à respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Hakim a dit qu'il faut écouter son sport. Il faut écouter son sport aussi. Il faut écouter son corps. Si vous n'êtes pas, comprenez pas votre corps, vous ne savez pas écouter votre corps, vous voulez mieux comprendre votre corps, n'hésitez pas à poser vos questions. Le numéro s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions à nos spécialistes sur comment gérer votre alimentation, comment gérer vos exercices pendant ce mois de Ramadan. Même en Darija, il y a des questions. Marhaba. Il y a l'espagnol, también podemos responder en espagnol. Hakima, Rojdi nous a parlé du côté sportif, du côté exercice physique, du côté hygiène alimentaire, du côté alimentation, apport nutritif. Est-ce qu'on, par exemple, on est à quelques jours du mois de Ramadan, est-ce qu'on peut déjà adapter notre régime alimentaire à quelques jours du mois de Ramadan pour bien entamer, pour bien accueillir ce mois ? Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, pour les amateurs de café, il faut petit à petit diminuer sa consommation de café pour ne pas être... en désintox le jour du Ramadan et être en crise de manque de café. Donc déjà commencer petit à petit à limiter sa consommation de café. Donc ça, c'est déjà une première chose par rapport aux boissons. Café et thé aussi, donc tout ce qui est thé noir, parce que ce sont des excitants en fait. Donc ça va permettre, si vous voulez, à la personne de la stimuler au moment même, mais quelques temps plus tard, ça va la fatiguer en fait. C'est ça un peu l'effet perverse du café. Alors bien entendu, la veille du Ramadan surtout, c'est de bien s'hydrater et de manger léger. De manger léger le soir. Parce que, comme je dirais tout à l'heure, en fait, le repas principal normalement pendant le Ramadan, c'est le repas du Suhoor. C'est celui-là qui doit être le repas le plus consistant pour en fait pouvoir tenir toute la journée et pour, si on mange les choses correctes évidemment, de pouvoir tenir toute la journée, d'accord ? Donc la veille du Ramadan, on va plutôt privilégier par exemple sur le temps de midi un repas consistant, d'accord ? Une soupe avec des féculents complets, des légumes, un petit peu de protéines. Le soir, ça va être plutôt un potage avec quelques féculents. Et le matin, vu qu'on n'aura pas beaucoup mangé le soir, ce qui va se passer, c'est que pour Suhoor, là, on va manger un repas consistant pour vraiment avoir de l'énergie sur toute la journée. Et là, on va privilégier plutôt les protéines. Donc les viandes,
les poissons, plutôt les viandes blanches, la volaille, les fromages. Donc ça, on va privilégier le matin. C'est vrai que c'est un point commun chez tout le monde, c'est que tous les buveurs du café, le premier jour du ramadan, en tout cas les deux, ils ont des migraines énormes. Ils ont des migraines énormes, les buveurs du café. Justement, on va arriver à ce qu'on doit manger, ce qu'il ne faut pas faire, justement, ce qu'il faut surtout éviter, les aliments qu'il faut éviter. On va commencer peut-être par... par le maghreb, qui est le plus intéressant pour, pour les jeunes, c'est, quoi, c'est de manger, bien sûr. Par le maghreb, alors, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Est-ce qu'il est bon de manger tout d'un coup, par exemple ? Non, c'est très mauvais. Et c'est vrai que chez nous, la plupart des gens, malheureusement, pendant toute la journée, évidemment, tout le monde s'est privé. Donc, on se dit, ah, donc, al maghreb, je veux manger ça. En fait, on a imaginé ce qu'on allait manger pendant toute la journée. Et donc, on met sur la table tous les aliments dont on a rêvé pendant la journée. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'au plus, on va manger gras et sucré à la rupture du jeûne, au plus, en fait, on va mal digérer. On va très, très mal digérer. Par exemple, manger des viandes al maghreb, c'est pas bon. Donc on va plutôt rompre le jeûne, comme dans la tradition prophétique, avec des dattes. Donc les dattes, pourquoi ? Parce que c'est riche en sucre, déjà, en sucre rapide, mais ce sont de bons sucres, ce sont des sucres naturels. Mais manger des viandes pendant Maghreb, là peut-être j'aurai l'avis de notre coach, si par exemple, tu es un sportif, et des sportifs par exemple de haut niveau, ils doivent combler leur apport en protéines. Donc bien automatiquement, sûr. Ils doivent manger des viandes bien sûr. Pendant Maghreb. Mais pas directement. Ouais. Pas directement, ça veut dire en que petite en petite quantité, on peut manger, on peut se procurer des protéines végétales, il ne doit pas spécialement être de la viande. Donc, comme des féculents, des flocons d'avoine, des pois chiches, etc. Mais comme le disait Hakima, je ne me trompe pas, donc des dattes, indice glycémique moyen, donc qui n'est pas trop haut, donc c'est du sucre naturel. Et juste après, un potage de légumes, histoire d'ouvrir son estomac et d'être, donc, de faire une première approche avec la nourriture. Exactement. Si on mange de la viande directement, on agresse un peu notre estomac. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est incapable de digérer la viande après 19h, normalement. Parce qu'on ne produit plus l'enzyme qui digère cette viande. Donc, c'est quoi l'effet que ça va être sur notre corps si on digère pas la viande ? Ben, on va être fatigué, on va mal digérer, donc on va être fatigué. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va entraîner un cercle vicieux. Tu es fatigué, tu dis oh, « je suis fatigué, j'ai besoin de fer, je vais remanger de la viande », et ainsi de suite. Donc, ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, normalement, il faut rompre le jeûne avec des dattes, donc en nombre impair, comme on nous l'a appris dans la tradition. Donc, on prend des dattes. Ce qu'on peut faire pour limiter l'effet sucrant de la datte, c'est l'associer à des noix, des noisettes, des amandes. Donc ça, on peut faire. Et en plus, c'est riche également en calcium. Donc les noix sont riches en calcium, en protéines. Donc ce sont des protéines végétales. Et c'est beaucoup plus digeste pour l'organisme. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on rompt le jeûne, c'est juste pour... Parce que c'est un mois spirituel. Pas l'oublier, c'est pas juste arrêter de manger et de boire. Bien sûr. C'est ça le but. Mais si on associe bien les deux, si on mange bien, ben on sera d'autant plus spirituel. Pourquoi ? Oussama, je vais te poser une simple question. Si maintenant tu romps le jeûne avec un bon bol de harira, bien farineux, de la chebekia, donc les dattes, comme on a l'habitude de faire, un grand verre de lait, t'enchaînes avec des petites pizzas ou des brewats, d'accord ? Est-ce que tu seras dans de bonnes conditions pour aller prier Tarawih ? J'ai vu des scènes extraordinaires sur les tapis de mosquée. Voilà. Parce que justement, ils avaient rempli leur estomac et ils n'arrivent même plus à être souples. Oui. Avoir la souplesse qui te permet de faire tes rak'a, on va dire. Rojdi, donc il faut manger donc, petit à petit. Petite quantité. Est-ce que c'est... Mais de qualité. De qualité, c'est-à-dire pour le corps. Ça veut dire, comme l'a dit Hakema, on jeûne plus entre 19 et 20 heures par jour. Il faut petite quantité, des sources d'énergie avec une glycémie très basse, donc tout ce qui est légumes, tout ce qui est donc, pois chiches, etc. Et fruits secs. Un bol de soupe. Des dattes. Et alors, même au point de vue, enfin, quand, quand,
quand on s'hydrate, au point de vue de l'eau, il faut éviter de prendre une bouteille genre, comme celle-là et la boire d'un coup. C'est très mauvais, ça va nous remplir l'estomac d'un coup. C'était une question justement que j'avais, est-ce que... Mais par des petites gorgées, comme... Est-ce que c'est bon de boire beaucoup d'eau? Comme le prophète nous l'a... Non. Beaucoup d'eau al-Mahre, parce que c'est vrai que ces temps-ci, il fait très chaud. En généralement, il y a beaucoup de personnes qui ont plus soif que faim. Donc, est-ce qu'il est-il, on va dire, sain de boire directement, on va dire, un litre d'eau directement avant d'entamer? Non. En fait, l'erreur qu'on fait, c'est justement de se dire, je vais boire beaucoup, je vais prendre ma grande bouteille et je vais la boire d'un coup, et c'est bon, et je vais manger ma chebakia, ma zilebia, etc. Mais en fait, malheureusement, non, parce que si vous voulez, l'eau qu'on va ingérer, elle ne va pas être assimilée et elle ne va pas hydrater le corps. Elle va être évacuée, en fait, elle va, entre guillemets, servir à rien. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre des soupes, des potages, des bouillons, parce que les sels minéraux vont faire en sorte que l'eau va vraiment être utilisée par le corps et ne va pas juste transiter et puis être éliminée. Mais il y a beaucoup qui font justement et qui utilisent cette technique pour avoir un effet mécanique sur le corps, c'est-à-dire ceux qui veulent essayer de perdre du poids, ils remplissent leur estomac d'eau pour avoir cette sensation d'avoir moins faim. C'est une pratique beaucoup font. Après, est-ce qu'elle est bonne ou pas, ça, je pense que chacun on verra en tout cas en fonction des résultats, s'il perd du poids ou pas. Mais justement, donc bien manger, petite quantité de qualité. Est-il bon de entamer, par exemple, comme on dit chez nous en Dalija, ta'acha ou ta'macha, est-il bon d'aller se promener juste après pour digérer justement ça? Donc, à quel moment, en fait? Juste vraiment après, après la rupture du jeûne? Juste après la rupture du jeûne. Généralement, oui, c'est bien. Donc, par exemple, on fêtard en petite quantité, donc pas un plat énorme, juste ce qu'il faut pour que le corps puisse un peu se réveiller. À ce moment-là, on peut éventuellement prier al-Maghrib et puis aller faire une petite promenade d'un quart d'heure, 20 minutes. À ce moment-là, on revient et peut-être qu'on aura cette faim et qu'on pourra manger notre viande, notre salade, nos légumes et notre petit apport en féculents. Comme ça, lorsqu'on partira, pour ceux qui vont prier l'Isha, on va prier l'Isha avec le ventre rempli, mais tout en restant souple pour pouvoir faire sa prière. Alors, quels aliments privilégiés pendant le... Parce que là, on parle de Maghreb, pour le Maghreb. Bien sûr, une rupture de jeûne sans Hrira n'est pas une rupture de jeûne. Ça, c'est toi qui le dis. Non, je parle de la culture. Je parle au niveau culturel. Je ne parle pas au niveau alimentaire ou au niveau hygiène alimentaire. Au niveau culturel, une rupture de jeûne sans Hrira n'est pas une rupture de jeûne, en tout cas, je parle pour moi. Alors, la Hrira, est-elle consistante, est-elle trop consistante? Ça dépend laquelle. À long terme, est-ce qu'elle peut avoir une répercussion sur l'hygiène alimentaire pendant ce mois du Ramadan? Est-ce qu'elle a un apport nutritionnel assez important? Est-ce qu'elle comble? Alors moi, je veux savoir, franchement, je ne connais pas du tout. Je veux savoir, la Hrira, on va dire traditionnelle, qu'est-ce qu'elle contient et elle a-t-elle un réel apport? Est-ce qu'elle fait grossir, entre guillemets? En fait, le souci, c'est qu'il y a de la farine dedans, en fait. C'est ça le gros problème de la Hrira. À la base, ça reste des légumes. Et surtout, si on l'a fait, ça dépend comment on l'a fait. Si c'est qu'avec du céleri et le ma'adnous, qusbar, etc. C'est vrai que c'est pas assez, on va dire qu'il n'y a pas assez de légumes. Donc c'est bien de faire un peu comme les Algériens font. Ils rajoutent des carottes, par exemple, dedans. Donc c'est toujours mieux de rajouter le plus de légumes possible. Maintenant, si on veut vraiment... si on ne veut pas faire l'impasse sur la Hrira, c'est de limiter la quantité de farine, de ne pas la faire trop épaisse. Et alors, plutôt, au lieu d'utiliser de la farine blanche, de prendre plutôt de la farine complète. Si vraiment, voilà. Mais ce qu'on peut faire, c'est varier. Par exemple, un jour, il y en a qui font ça, qui un jour font de la Hrira, et puis le lendemain, enfin, deux, trois jours après, c'est de la soupe, potage normal. Donc, mais voilà, c'est vrai que c'est pas l'idéal parce que c'est trop consistant. C'est trop consistant pour le corps, en fait. C'est pour ça que je prends du poids pendant ce mois. Le prophète, c'est pas ce qu'il faisait. Hein. C'est pour ça que je prends du poids pendant ce mois. Je me dis, tiens, comment je prends du poids? Pour ça, je bois que principalement de la Hrira. C'est pour ça, alors, parce qu'il y a beaucoup de farine. Moi, je préconise la soupe sans farine. Ouais. Une soupe de légumes. C'est la meilleure. Donc, Hrira, ça reste une Hrira, puis tout dépend de ce qu'on va mettre dedans. Pourquoi mettre de la farine? On est surtout à cette période où on fait le Ramadan en plein été, on reste pendant 20 heures sans manger, pourquoi mettre de la farine? Je peux comprendre qu'en hiver, au niveau nutritionnel, en hiver,
c'est vrai que c'est jamais bien de mettre de la farine. Ou, comme l'a dit Hakima, de la farine complète. Ça, c'est vraiment pour les personnes oui, qui sont vraiment mouffées, sont voilà, habituées à cette harira. Mais c'est mieux que rien. Je conseille à tout le monde de prendre une harira avec beaucoup de légumes. Ouais. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Et on reste léger, en fait. On reste léger pour pouvoir manger ce qu'on veut, enfin, ce qu'on veut par après. Donc, si on veut manger une viande, etc. Si on boit une harira qui est bien lourde, certes, au moment même, on sera rassasié, mais pour la digérer, ouais, il faut pas mal de temps. Donc, ça prend du temps. Il faut éviter au mieux une harira de qualité. La farine, c'est très difficile. Parce que la harira traditionnelle, elle est ce qu'elle est. Quoi, c'est une habitude, en fait. C'est une habitude. Petit à petit, c'est culturel. C'est culturel, mais petit à petit, on peut se déshabituer aussi. Hein. Exactement. Alors, il y a d'autres aliments, mis à part la harira, qui est, on va dire, l'aliment, on va dire, de base pour la rupture, il y a, on va dire, qu'on appelle des mets, des amuse-gueules, comme on dit vulgairement. Ces amuse-gueules font aussi énormément grossir, notamment la fameuse chebekia. Mm-hmm. Alors, la chebekia, quel conseil vous pouvez donner sur la chebekia? Est-ce qu'on peut en manger une, la moitié, ou vaut mieux l'éviter? Franchement, oui, l'idéal, vraiment, c'est... Pardon, l'idéal, quoi, c'est il faut éviter. Il y a Roger qui me fait l'écran, il me fait ça. Ça veut dire éviter ça. Désolé, ouais, c'est traditionnel et tout ça, mais point de vue santé, chebekia. Pourquoi on l'évite en fait? C'est simple, si vous connaissiez l'impact que ça avait sur votre santé, vous l'éviteriez. Parce que si on consomme ces produits-là sucrés, qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, ça va augmenter fortement la glycémie et ça va la diminuer d'un coup. D'accord. Donc, quand ça diminue, donc il y a une production d'insuline mm-hmm. qui va venir en fait diminuer le taux de sucre dans le sang. Et à ce moment-là, on va avoir faim. Donc en fait, tout ce qui est sucrerie, comme on a l'habitude de manger chez Bekia, etc., ben ça va augmenter la faim. Ce n'est pas le but. Et en plus de ça, le lendemain, ne vous étonnez pas si vous êtes fatigué ou si vous êtes énervé. C'est dû à ça. Donc la chebekia énerve. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des conflits. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'il y a des conflits à mon bébé. Dans les boulangeries. C'est la chebekia. Ça cause la chebekia. La chebekia, c'est un grand problème. Subhanallah. Mais c'est un mois aussi où il faut mettre à jour son hygiène alimentaire. Bah je pense que c'est un peu le moment jamais pour essayer de prendre de nouvelles habitudes. Voilà, nouvelles habitudes, moins de sucre. C'est un mois spirituel. C'est un mois spirituel. On peut changer au niveau, on va dire, spirituellement et aussi au niveau... Niveau alimentaire, il faut profiter de ce moment pour être bien dans sa tête et dans son corps. Ses habitudes alimentaires. Donc, la harira, si j'ai bien retenu, la harira, vaut mieux éviter sans farine. La chebekia, c'est à éviter, en tout cas, pas tous les jours sur la table. Quand on est invité, par exemple, quand on est invité chez des gens ou chez de la famille, pour ceux qui sont invités tout le temps, ils doivent éviter. Mais ceux qui veulent vraiment faire un effort vis-à-vis du sucre et on va dire une petite désintox au niveau du sucre, parce qu'il y a pas mal de sucre dedans, c'est vraiment exagéré au point de vue du sucre. Quand je suis invité, par exemple, chez des gens ou chez de la famille, je vais picorer juste un petit morceau, histoire de dire que voilà, j'ai goûté un chebekia. Mais sinon, dans l'absolu, il n'y a aucun apport pour moi bénéfique. Il n'y a aucun apport bénéfique. Ça va me faire monter ma glycémie, comme l'a dit Hakima. Puis on a un crash juste après, donc ça veut dire qu'on a faim. On est fatigué, on est énervé, c'est pas le but en fait. Hein. Désolé. Vous savez que dans une zelébia, il y a plus ou moins 14 morceaux de sucre. 14 morceaux de sucre, c'est énorme. Alors, la chebekia donc a essayé d'éviter, et aussi, on a parlé des dates. Ou alors la faire soi-même à la rigueur. Si vraiment on veut, on la fait soi-même. Et on va plutôt utiliser du miel plutôt que du sirop de glucose. Parce que dans la plupart les boulangeries, ce n'est pas du miel qu'on va utiliser, c'est trop cher. Ah oui, et le miel a un index glycémique quand même beaucoup plus bas que le sirop de glucose. Donc ça peut être éventuellement une alternative. Et de la farine complète aussi. Les dates, on en a parlé. Donc les dates, vaut mieux rompre son jeûne. Et aussi, tradition prophétique, rompre son jeûne avec... Et ce n'est pas pour rien. Avec une date. Mais justement... Parce qu'il y a des... Il y a des bienfaits. Il y a des bienfaits, mais il y a aussi, comme toute chose sur Terre, il y a des limites. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas en manger 15. Les dates, il y a un apport, on va dire, glycémique important. C'est important. Même si c'est un bon apport, mais quand on dépasse une certaine limite au niveau du... Même si c'est du fructose, même si c'est du sucre naturel, quand on dépasse une certaine limite, c'est mauvais aussi. Donc... Moi, je pense que ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Ouais. Quelqu'un qui va vraiment manger sain et qui va... On a un appel. Moukalama, salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam, j'ai une question en fait. Comment Par rapport à la. Mbrouk la wesh al-zada. Allah ybarak fik.
Smitzek, votre prénom. Ah, Nadia. Voilà, comme ça on sait avec qui on parle. Nadia. Tfadli, Nadia, je t'en prie. Oui, j'ai une question en fait. Par rapport à l'harira, vous dites qu'apparemment, par rapport à la farine, mais par rapport à la panjra qu'on fait, nous, la grosse quantité pour 2-3 jours de l'harira, on met 2 cuillères. Enfin, moi je mets à peine 2 cuillères. Comment ça peut être lourd? Parce que si on divise cette quantité de 2 farines pour épaissir ce liquide, cette harira, je pense au niveau, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, c'est Nadia, c'est ça hein? Oui. Bah, Nadia, c'est vrai que si tu utilises 2 cuillères à soupe de farine, ça reste correct. Maintenant, ce que je peux te conseiller pour que tu aies plus d'apport nutritionnel, plus de magnésium, plus de fibres, pour vraiment ne pas annuler tous les effets du jeûne, donc tu as patienté toute la journée, autant ne pas annuler tous ces bienfaits, c'est alors au moins d'utiliser de la farine complète. Mais 2 cuillères à soupe, c'est vrai que ça reste encore correct. Mais à la base, c'est pas nécessaire pour l'organisme. Maintenant, si c'est une habitude dont tu ne peux pas te passer, autant utiliser alors de la farine complète. D'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord là. Donc, côté nutritionnel, oui. Mais bon, ça, parce que quand j'entends que ça fait grossir, je me dis, c'est pas possible. Ce qui fait grossir, c'est ce qui suit après. C'est pas spécialement que ça fait grossir. Ouais. C'est que c'est pas digeste, en fait. Ça rien du tout. C'est que ça envoie un mauvais message, en fait. En fait, voilà, c'est pas digeste. Le but, c'est de se sentir bien. Le but du jeûne, c'est quand même normalement, à la base, de se sentir léger, c'est pas de se sentir lourd comme on a l'habitude de faire et de hamar et de manger après la rupture du jeûne. Normalement, c'est de garder cet effet-là qu'on a eu sur la journée. À la base, même, je parle spirituellement parlant, c'est ça le but. Hein. Donc c'est pas spécialement que ça fait grossir, parce que grossir, ça va dépendre de tout ce qu'on mange. Si on a mangé de la harira, on va pas grossir, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que veut dire Nadia. C'est le fait que c'est moins digeste. Ça va pas spécialement grossir, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est ce qui suit après. Bien sûr, ça dépend du reste. Grossir, au niveau de la sensation, ça fait... Ça fait lourd. C'est moins digeste, ça peut faire des ballonnements aussi. Merci Nadia, shukran pour l'appel. Merci. Shukran. Juste un petit, on a un petit problème avec parce qu'on a des appels pour nos amis qui ont Telenet, qui sont chez l'opérateur Telenet. Ils ont un problème de son apparemment. Voilà, on s'excuse déjà de ce problème, indépendamment de notre volonté. N'hésitez pas, si vous voulez appeler, vous voulez réagir dans cette émission, vous voulez poser toutes vos questions à nos spécialistes, notre coach sportif Rojdi et notre diététicienne et nutri-thérapeute Hakima. N'hésitez pas, on est avec vous jusqu'à 19h. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Maghreb TV et sur le site internet www.maghrebtv.be. Rojdi, on va parler du sport. Moi, je vais à la salle pendant le sport. Et chaque année, pendant le ramadan, surtout à cette période, je vois, pendant les premiers jours, des crises. Je vois des crises, c'est-à-dire, il y a des personnes qui s'entraînent comme ils ont l'habitude de s'entraîner pendant l'année. C'est-à-dire, ils ont pris leur habitude avec. Et je vois dans le vestiaire, chaque année j'en vois, je blague pas, il y a des crises. Donc ils font une chute de syncope, c'est-à-dire, voilà, ils n'ont plus de sucre, ils n'ont rien. Juste ça, juste avant. Est-ce que tu parles avant le ramadan? Avant, bien sûr, avant. Comment éviter ça? Quel exercice favoriser et quel exercice ne surtout pas faire? Ne surtout pas faire, surtout sortir de sa routine de pendant l'année. On va parler d'une personne qui s'entraîne trois fois par semaine. Une personne qui a une hygiène de vie, on va dire, correcte, qui s'entraîne trois fois par semaine. Si en dehors du ramadan, il fait une heure et demie de sport, il faudrait qu'il diminue cette pendant le ramadan. Donc au lieu de faire une heure et demie, il fait 45 minutes. Et sur les 45 minutes, faire un maximum de cardio. Donc ça veut dire 70% de cardio. Cardio, on se comprend bien, un peu de vélo, un peu de tapis de course, ou il peut courir à l'extérieur, comme il fait bon maintenant, courir à l'extérieur, mais pas dépasser une demi-heure. Donc une demi-heure, c'est très bien. Il y en a qui vont peut-être voir cette émission aujourd'hui, qui vont dire « Ah, moi je suis capable de faire une heure ». Je le faisais aussi pendant une heure au Maroc en plein soleil, mais j'ai un entraînement qui est autre. Tout dépend, il faut connaître son corps. Tout dépend du métabolisme et ses limites et la relation qu'on a avec le sport. Si on est pro, si on est sédentaire, donc juste amateur. Pour les gens, pour monsieur et madame tout le monde, trois fois par semaine, 45 minutes. Sur les 45 minutes, on fait une demi-heure
de cardio. On mélange un petit peu de vélo, un petit peu de tapis. Et alors, pour ne pas rentrer trop dans les détails, donc dans les détails techniques, au point de vue de la muscu, on fait un petit tour du monde. Donc on fait un petit peu chaque muscle, sans trop forcer, avec une charge. Un peu de fitness, mais très léger. Il faut rester très, très évasif. Donc, il ne faut pas rentrer dans un détail musculaire, par exemple. Après, c'est un peu logique, il n'y a pas de protéines en. Il n'y a pas de protéines. On n'est pas hydraté, on n'est pas. Dans l'absolu, il est déconseillé de s'entraîner avant le Maghreb. Mais maintenant, on peut le faire, mais il faut rester très, très souple. Justement, le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est après le mieux, en cette période, c'est après. Il n'y a aucun coach qui dira le contraire. Je me suis renseigné, bien sûr, bien avant, et je le savais. C'est après avoir mangé, donc après avoir digéré. Donc il y a des salles maintenant qui sont ouvertes 24 heures sur 24. C'est préférable, c'est plus bénéfique. Et au point de vue musculaire, au point de vue de l'effort qu'on va faire, c'est meilleur. Le corps est hydraté, et on a mangé, etc. Donc on a cet apport en protéines. Maintenant, avant, c'est possible de le faire, mais la durée ne doit pas dépasser les 45 minutes. 45 minutes, pourquoi? Parce qu'au-delà de ça, on peut avoir des vertiges, etc. Bon, après, ceux qui le font le soir, ou c'est vrai qu'il y a des salles qui sont ouvertes 24h/24, mais d'autres personnes n'ont pas le choix. Après le Maghreb, où ils vont aller dormir parce qu'ils travaillent demain. Qu'avez-vous à dire sur les personnes qui vont faire le sport, qui veulent maintenir leurs habitudes le matin, par exemple? Avant de travailler, ils vont aller faire leur sport. Quel conseil donnerez-vous à ces personnes-là? Pendant le jeûne, hein, je parle du jeûne. Pendant le jeûne, ouais, c'est-à-dire pendant en pleine journée, en plein matin, faire le sport en pleine journée de jeûne. Juste après le jeûne, il y en a qui le font. Par exemple, ils mangent très léger. Après, enfin, donc ils vont manger quelques sources en protéines, un petit peu de flocons d'avoine, etc. Et ils attendent une petite heure et juste après, ils vont faire un footing. Mais maintenant, aller faire du sport à midi, par exemple, c'est déconseillé. À midi, il fait chaud. Ils annoncent 30 degrés fin de semaine. Il faudrait peut-être c'est mieux chaud. Le faire juste avant le Maghreb. Juste avant le Maghreb, 45 minutes maximum, ou juste après le Fajr. Juste après le Fajr, il faut attendre un petit peu le temps de digérer, parce que faire du sport avec le ventre, quand la digestion n'est pas refaite. Et puis en plus, pour le repas principal, c'est justement le repas de Suhoor. Ouais. C'est là où il faut manger beaucoup de protéines, beaucoup manger de fibres, des féculents. Ouais. Donc ça peut être par exemple de la viande, du poisson, alors des œufs, du fromage. On en est sur la partie du Suhoor. Alors, faut-il déjà impérativement faire le Suhoor? Bien sûr, c'est un conseil au niveau tradition prophétique. Il faut faire le Suhoor, même si c'est pour manger une date ou boire un verre d'eau. Mais pour, au niveau scientifique, au niveau hygiène alimentaire, est-ce qu'il est impérativement de ne pas sauter cette étape? Oui, c'est impératif. Vraiment c'est impératif. Quand je dis ça, c'est même si on n'a pas faim. Même si on n'a pas faim, il faut mais manger en absolument. En fait, Oussama, ce qui se passe, c'est que si la veille, on a mangé, donc on a rompu le jeûne avec des dattes, avec un smoothie, avec du lait d'amande, on a mangé des légumes, on a mangé un potage, et puis ensuite, une heure après, on prend un repas, donc léger, avec des féculents, avec peut-être un petit peu de viande si on veut, et des légumes. Si on a mangé léger, normalement, on est censé avoir faim. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on dit de manger léger à la rupture du jeûne et la soirée. Si on a mangé léger, le matin, à 2h du matin, on est censé avoir faim. Et c'est là qu'on va prendre un repas consistant, riche en protéines, parce que ça va nous permettre en fait d'être rassasiés. Les protéines vont faire en sorte qu'on n'aura pas faim pendant la journée, et ça va éviter le coup de pompe, ça va éviter d'être fatigué. C'est un peu comme un petit déjeuner, comme on en avait parlé lors de l'autre émission. Bien sûr, c'est vrai que c'est un problème chez pas mal de personnes. Hein. Oui, ils mangent. Fais chier, je vais à l'Ouest, clé de bizarre. C'est ça, c'est qu'il faut essayer de faire un équilibre. Donc, un équilibre entre le Maghreb et juste après. Donc, essayer de. C'est pour ça qu'on dit manger de qualité et des petites quantités. Puisqu'on a combien? On a, je pense, 5 heures. Mm-hmm. Donc, on mange trop à le Maghreb, après, on pourra plus manger à Suhoor. Et alors, à ce moment-là, on ne mange pas. Et comme l'a dit Hakima, on a des coups de pompe en journée, etc. etc. En fait, il faut vraiment répartir les repas sur 3 repas. Donc, un petit repas à la rupture du jeûne, comme je l'ai dit, où là, on va rompre le jeûne avec des dattes, comme je l'ai expliqué. Donc, ça va vraiment juste permettre de calmer la faim et la fatigue de la journée. D'accord? Puis, on va prier. Et ensuite, on a un repas qui peut être abondant, mais léger,
avec pas trop de protéines animales. Et le matin, à Sahur, là, c'est le repas consistant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens, même s'ils font tout ça, ils n'ont pas faim le matin. Ils ne veulent pas manger de la viande. Voilà, ça ne va pas. Donc là, à ce moment-là, manger alors les aliments, justement, des œufs... Les aliments, qu'est-ce qu'on... Concrètement, les aliments, les produits que vous conseillez pour bien entamer la journée, pendant ce jour. Oui. Donc ça va être, par exemple, du fromage, des œufs. Du fromage quoi? Du fromage frais? Ça peut être du fromage frais, ça peut être du fromage du gouda, en par tranche. Exemple. Oui, pourquoi pas. Oui. C'est des bons gras. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est, ça reste des acides gras saturés qui ne sont pas très bons pour la santé, mais il y a des protéines, il y a un peu de calcium, donc ça reste encore bon. Maintenant, l'idéal, c'est vrai que les fromages qu'on va plus conseiller, normalement, ce sont les fromages de chèvre. Ça, c'est encore meilleur pour la santé. Mais bon, voilà, on ne va pas trop bousculer les gens. Des fromages, des viandes, donc ça, c'est pour les protéines. Mais si on a mangé du fromage, on ne va pas manger de la viande. C'est l'un ou l'autre. Il faut choisir, quoi. On va choisir, on ne va pas tout mélanger. Le prophète faisait la même chose. En même temps, il y a beaucoup de personnes qui mangent de la viande pendant ce jour. On peut, oui. C'est l'idéal, hein, c'est de manger des viandes blanches, du poisson, avec des féculents complets. Ça peut être du riz complet, des pâtes, des lentilles, du quinoa, un peu comme on veut. Et des légumes. Allô? Allô, salam alaikum? Allô, salam alaikum? Allô, salam alaikum? Alaikum salam. Je suis avec Mohamed Saint-Jos. محمد مساج تفضل واشكركم بارك الله فيك شكرا الله يبارك فيك واحد السؤال اللي ممكن نخليك كوم سي لا بيريود دي زيكزامان سي بوسيبل دو دوني دي كونساي او جون كي باس ليكزامان ان شاء الله سي المومون ان شاء الله صافا شكرا شكرا محمد ميرسي بوتاك سي با اوبليي سي بوسيبل با اوبليي دو لي جو ان شاء الله خلاص يا ماي دي با plus de jus. Les jus. C'est préférable que ce soit des jus faits à la maison, pas des jus. Il y a un concept là ou là. Merci. Choukoura, Mohamed, barakallahu fek. C'est vrai, c'est une bonne question. Oui. Écoutez, c'est très simple. Si on suit tous les conseils qu'on a donnés, ils peuvent s'appliquer à tout. Ça s'applique aux étudiants et encore plus à eux. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, je suis fatiguée, je vais me prendre un chocolat ou je vais me prendre un, je sais pas moi, un Snickers, peu importe, pour avoir de l'énergie. C'est faux. Ça va fatiguer l'enfant, il va être beaucoup plus énervé, beaucoup plus fatigué et il va avoir beaucoup plus faim pendant la journée. Donc, par exemple, la date, je reviens avec la date ou avec les fruits oléagineux comme les noisettes, les noix, les amandes. Ce qu'on va retrouver dedans, c'est pas que... du calcium, mais on va retrouver aussi par exemple du magnésium. Le magnésium, c'est quoi? C'est un antistress. Donc ça, on le retrouve dans la date, on le retrouve dans les amandes. Donc ça permet de déstresser. Donc vaut mieux manger ça que des bonbons par exemple. On grignote un peu d'amandes quand on est en train d'étudier, c'est l'idéal. Des noix, des raisins secs, etc. Les dattes. Dans les dattes, il y a une substance qu'on appelle le tryptophane, qui est en fait un... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un acide aminé qui va permettre la fabrication de la sérotonine. La sérotonine, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'apaiser et elle permet d'être beaucoup plus calme, donc d'être moins stressé. En gros, la date. La date, c'est vraiment un très bon aliment. Bon, évidemment, on va varier, on va prendre des fruits oléagineux, comme je l'ai dit, donc des noix, des noisettes, les jus maison, comme l'a dit Si Mohamed, je pense, c'est ça. Pourquoi les jus maison? Bah parce qu'on sait ce qu'on a mis dedans, un jus concentré, il n'y a pas assez de fibres. Par exemple, on peut faire un smoothie où là, on a vraiment mixé tout le fruit. Donc là, c'est l'idéal. Par exemple, une bonne recette pour rompre le jeûne, ça va être des fraises avec du lait d'amande. Ça va venir un peu réduire le pic de glycémie. Donc il y aura moins cette augmentation de taux de sucre dans le sang. Donc on va rajouter par exemple du lait d'amande ou du lait de coco, peu importe. On évite les laits de vache. On peut rajouter des graines de lin, par exemple, dedans. Et donc, ça aussi, il y a des oméga-3, c'est anti-inflammatoire, c'est bon pour la mémoire aussi. Donc, c'est l'idéal. Donc, tous les conseils qu'on a donnés s'appliquent, évidemment, aux étudiants. Donc, pour les étudiants, encore plus. Faut pas... Ils peuvent aussi manger des fruits. Hein. Il n'y a pas que les jus, donc les fruits. Les étudiants en blocus. Quand tu étudies, quand tu es face à ton syllabus, tu as tendance à grignoter. Voilà, donc là, il faut éviter les sucres, les mauvais sucres. Il vaut mieux manger de qualité, des fruits secs, en général, les fruits de saison. En ce moment, il y a les fraises. Il y a pas mal de fruits maintenant. Voilà, donc en été, c'est qu'on peut ou les mettre en jus.
Et des fois, c'est aussi c'est très vrai bien que l'idéal, c'est de les manger directement en entier. Parce que lorsqu'on fait des jus, il faut savoir qu'il y a des fruits qui ne se mélangent pas entre eux. Et donc ça leur diminue leur apport au niveau nutritionnel. Un conseil, si je peux me permettre, par rapport au jus de fruits, pour limiter l'apport en sucre, c'est de mélanger avec des légumes. Donc mélanger avec des carottes, avec des betteraves. Par exemple, une bonne alternative, c'est betteraves. Carottes et pommes. C'est super bon. Ça, c'est des jus, enfin, tout ce qui est... C'est riche en antioxydants, en fait. Oxydants, donc ça nettoie. Vu que c'est une période où on nettoie son esprit et son corps, pour les étudiants, donc, c'est très important pour eux de manger des choses de qualité, donc des légumes et des fruits. Les féculents aussi, mais éviter les féculents donc, avec une... Raffiné, donc des pâtes complètes, du riz, basmati, donc du riz sauvage. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent donc faire énormément d'efforts au niveau intellectuel, donc de mémoire, etc. C'est pour garder etc. En fait, donc, de l'énergie sur une longue durée. Quand on prend des féculents, des pâtes, du riz, etc., complets, on va assurer d'avoir une énergie beaucoup plus longtemps que si c'est blanc. Si c'est blanc, c'est vite absorbé et donc l'effet... malheureusement, on ne reste pas longtemps. Et puis, on a faim après. C'est ça, le cercle. Donc, voilà, les étudiants, prenez note. C'est un mois sacré, certes, mais très important aussi pour votre cursus. Donc, voilà, prenez note des conseils que vous donnent le Rojdi et Hakima. En tout cas, voilà, on souhaite ici bonne réussite et bon courage dans vos examens et dans votre blocus. On parlait du suhoor. Donc, le suhoor, faire attention, pas prendre trop de protéines. En tout cas, en choisir une, soit dans les... Donc, non, justement, suhoor, c'est là où on va privilégier les protéines. Les protéines même animales. Donc à ce moment-là, comme j'ai dit, du poisson, des œufs, du fromage, des viandes blanches de préférence, du poulet, de la dinde, etc. Donc, on va privilégier les protéines animales pour justement rester rassasié beaucoup plus longtemps. Et en plus de ça, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir beaucoup mieux les digérer, en fait, le matin. Je marre parce qu'en régie, il se marre, il se fout de ma gueule, il dit suhoor, tu parles de suhoor, la magie ou de suhoor? Voilà, c'est les petites blagues de la régie. Ils sont en forme. Ouais, mais tu m'as déstabilisé là. Ils sont en forme. Ils sont en forme en ces temps de veille de Ramadan. Voilà, continue comme ça. On va clôturer tout. Ouais, il nous reste une bonne dizaine de minutes. Malheureusement, on va pas faire toutes les questions, mais on va essayer d'en faire un maximum. Je pense qu'on aura le temps peut-être de prendre un appel. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On va prendre un appel avant de clôturer cette émission. Est-il bon pour la santé, bien sûr, de faire un régime draconien ? Ça, je vous ai posé la question à l'époque, il y a quelques mois. Vous avez tous les deux réfuté cette idée. C'est de faire un régime draconien, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, c'est l'été, on est au mois de juin en plein Ramadan, et je ne sais pas moi, je veux rentrer dans mon 36, dans mon 32, et je veux absolument perdre 10 kilos. Je me suis donné un objectif, je vais perdre 10 kilos ou 15 kilos en un mois. Ça, j'imagine, c'est déconseillé, très déconseillé. En fait, ce qui va se passer, c'est que effectivement, tu vas perdre du poids parce que tu vas manger moins, donc d'office. Voilà, il n'y a pas de secret, là, il va y avoir une perte de poids. Mais en même temps, ton métabolisme s'est complètement ralenti, d'accord ? Donc, tu vas consommer beaucoup moins d'énergie. Donc, tout pour assurer les fonctions vitales de ton corps, tu vas consommer beaucoup moins d'énergie. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le mois du Ramadan va se terminer, ben, à ce moment-là, tu vas reprendre tes anciennes habitudes et tu vas reprendre du poids beaucoup plus vite, parce que tu crées des carences en fait pendant que tu fais, comme a dit Hakima, donc tu te prives pendant une longue période, ton corps fonctionne au ralenti. Si en plus de ça tu manges mais vraiment très très peu et pas assez donc de vitamines, etc., donc tu crées des carences psychiques au niveau de ton corps que tu rattraperas vite fait, bien fait, ton poids juste après la période de Ramadan. Oui, les cellules. En fait. Le fameux effet yo-yo. On a un appel, on a un dernier appel. Mokalama, salam alaikum. Salam alaikum. Bonsoir. Salam alaikum. Allô. 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 Allô, salam alaikum. Shkoun ma'ana. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Votre prénom, shkoun ma'ana, salam alaikum. Mustapha. Tfaddala, Mustapha. Tu as des questions ? Tu as une question pour nos invités ? Mustapha, je voulais poser une question par rapport au sport pendant le Ramadan. Est-ce que c'est conseillé ou pas ?
Alors, la question est claire, est-ce que c'est conseillé ou pas? Merci Mostafa pour ta question. Rojdi, spécialiste, est-ce que c'est conseillé? On a répondu en long. Alors, en long, juste pour résumer, c'est conseillé, tu peux faire du sport, mais ça dépend quand. Donc, juste avant Al Maghreb, tu peux faire une petite séance de sport, une demi-heure, 45 minutes, et éviter de faire trop de contractions, enfin, d'aller chercher au niveau musculation, des contractions musculaires, etc. Plus du cardio, si c'est avant le Maghreb. Et après le Maghreb, après avoir mangé, si t'as digéré, bien sûr, tu peux faire une séance de sport un peu plus intense, mais il faut faire attention, car c'est le Ramadan, et éviter de faire des séances trop lourdes, c'est mauvais pour les articulations, etc. Voilà, merci Hakim pour ta question. J'ai une question ici de Rachid qui nous dit comment perdre sa ceinture abdominale. C'est vrai que c'est une question récurrente. Je vous l'avais déjà posée lors de la première émission qu'on a faite ensemble. Comment perdre? C'est vrai que c'est la graisse, on va dire, la plus difficile à perdre. Quel exercice, toi, tu peux conseiller? C'est la question qu'on pose pour perdre plus cette souvent, fameuse ceinture abdominale. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de régime ou d'exercice qui va aller. Donc, juste faire perdre le ventre. Non, il faut faire en sorte de faire du cardio, de faire monter le rythme cardiaque entre 130 et 160 pulsations. Il faut toujours être toujours à haut régime, faire genre de circuit training et entraîner l'ensemble du corps. Ce n'est pas en faisant juste du cardio et des abdos qu'on va perdre du ventre. Il faut une alimentation saine et un entraînement complet. Donc, lorsqu'on a un entraînement complet, au fur et à mesure du temps, le ventre va diminuer. Et donc, voilà. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que, je ne sais pas si tu as vu ça, qu'en fait, les personnes qui sont stressées ont tendance à prendre plus de poids. Donc, c'est prouvé maintenant scientifiquement que quand on est stressé, on prend plus de poids, même si on a mangé la même chose qu'une autre personne. Et en fait, le souci, c'est que ça se localise au niveau abdominal. On a des gonflements. Ouais, ça se localise, donc la graisse est vraiment localisée au niveau abdominal. Pour quelqu'un qui est stressé et qui prend du poids, vous avez déjà jamais remarqué des gens qui sont stressés, leur ventre... Ils gonflent, c'est des ballons. J'ai remarqué des hommes mariés qui leur gonflent. après 3-4 mois. Mais ça, c'est la nourriture, la mauvaise nourriture le soir. Ça, c'est la nourriture le soir. La nourriture juste avant, un fléau. C'est pas des cas isolés. Voilà, c'est des gens... D'ailleurs, on en est arrivé au point où on a sorti même une expression quand on voit un pote qui a pris du ventre. Tiens, tu t'es marié. Mais puis après, les hommes, ils prennent souvent au niveau du ventre. Ça, c'est physiologique aussi. Hein. Il prend au niveau abdominal, la plupart du temps. Plus spécifiquement, après un mariage. Après, comme a très bien dit... C'est un manque d'activité physique, tout simplement. Peut-être comme a dit Rojdi, le fait de manger le soir, ça, c'est fatal. Manger le soir, après une certaine heure, on prend facilement du poids. Mais c'est pas que ça. Parce que si on n'a rien mangé toute la journée, on a mangé que le soir... c'est pas pour ça qu'on va prendre du poids. Je pense que par rapport à l'anecdote de l'homme marié, c'est plus par rapport au fait qu'il se retrouve bien chez lui dans son cocon familial et qu'il sort moins souvent et qu'il est peut-être moins actif. C'est une sédentaire. Voilà, il est plus sédentaire. En général, c'est ça. Hein. Alors, on va conclure tout doucement l'émission. On a donné des conseils, j'espère, on va dire concluants et qui ont été bien reçus par nos téléspectateurs et téléspectatrices. Sur la veille du Ramadan et pendant le Ramadan, eh ben là, on va peut-être terminer avec l'après-Ramadan. Parce que, qu'on le veuille ou non, pendant le Ramadan, on va suivre un régime alimentaire, spirituel, etc. Mais après le Ramadan, alors quels conseils vous pourriez donner pour après le Ramadan? Est-ce qu'il faudrait revenir à ses anciennes habitudes, c'est-à-dire directement, ou alors est-ce qu'il faut adapter petit à petit, s'habituer à son ancien métabolisme petit à petit? Il faut reprendre... Parce que les premiers jours sont très difficiles, hein, après le Ramadan, je ne dirais pas au niveau alimentaire, mais au niveau du métabolisme. Ouais. Beaucoup de personnes prennent énormément de poids après. Bah oui, c'est normal. Parce que justement, on n'a pas mangé en journée, là... C'est clair, on n'a pas mangé, et puis il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup l'appétit, donc ils mangent beaucoup moins, ils perdent du poids. Et puis après que le Ramadan se termine, hop, on mange comme on avait l'habitude de manger. C'est tout à fait normal qu'on reprenne du poids, et très vite, parce que comme je l'ai dit, le métabolisme est au ralenti. Donc dès qu'on reprend, les cellules de notre corps, elles ne sont pas bêtes. Elles disent « Attention, la personne, elle m'a privée pendant autant de temps. Dès qu'elle recommence à manger, je stocke. » C'est pour ça que la personne prend du poids très rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va essayer de réintroduire progressivement par des potages, des soupes. On peut garder les légumes croquants aussi dedans pour bien mâcher, des fruits.
essayer de vraiment réintroduire petit à petit et des repas légers, c'est l'idéal pour l'organisme. Et c'est pas pour rien qu'on a les 6 jours de Shoël à faire le mois qui suit le mois du Ramadan. Pourquoi ? C'est justement pour ne pas avoir ce choc entre le fait de ne rien manger pendant un mois et puis du jour au lendemain, on revient à ses habitudes. Donc là, c'est l'idéal, c'est de faire aussi ces 6 jours-là. Et au niveau du sport, je dis, après le mois, est-ce qu'on tout doucement, enchaîne et dirait, ouais, non, doucement. Tout doucement, il faut que le métabolisme se remet en route. Donc, comme a dit Hakima, éviter les chocs métaboliques. Donc, éviter, que ce soit au point de vue alimentaire que sportif, commencer doucement. Car voilà, le corps a été quand même sollicité, plus de 20 heures de jeûne pendant un mois. Donc reprendre calmement, faire des petites séances la première semaine qui suit. Et au fur et à mesure du temps, on revient dans notre routine au niveau sportif. Il faut savoir une chose, c'est qu'après le Ramadan, les gens qui font du sport, c'est très intelligent de leur part. Enfin, y a des gens, c'est l'origine de vie, ils font du sport tout le temps. Mais commencer du sport pendant le Ramadan ou juste avant, c'est pas que je le déconseille, vous pouvez le faire, mais la meilleure période pour moi, en tout cas, personnellement, par expérience, c'est juste après le Ramadan. C'est là où on prend, au point de vue musculaire, cardio, etc., on prend les meilleurs points, on va dire. Parce que le corps est pur. Si on a respecté donc, ce mois de Ramadan en mangeant de qualité, le corps est pur et automatiquement, le corps réagit vis-à-vis de ce qu'on lui a donné. Et lorsqu'on donne une bonne séance de sport juste après, il n'y a que des points positifs. Mais tout doucement. En fait, voilà. Il faut essayer aussi de ne pas gâcher justement ces efforts qu'on a faits durant tout le mois en remangeant comme on avait l'habitude de faire avant. Faut que ça nous reste, on garde une leçon. En fait. C'est une leçon. Le Ramadan nous a appris des choses. Et il faut qu'on les garde et qu'on reste sur la continuité de manger qualité et... Voilà, justement, j'allais vous demander un conseil pour nos téléspectateurs. Tu as donné un très bien. Le Ramadan, c'est une leçon. Il nous apprend des choses. Hakima, ton conseil à toi pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, le conseil, c'est de se dire que le mois du Ramadan, c'est un mois qui est spirituel. Et pour se sentir bien dans sa tête, il faut aussi se sentir bien dans son corps. Donc, le fait de... Il faut se dire, voilà, ce mois-là, c'est un mois de pause. Donc, quel aménagement, quelles nouvelles habitudes je me fixe comme objectif pour ce mois du Ramadan. Donc, même si vous ne changez pas tout, même si vous n'appliquez pas tout ce qu'on a dit ici, aujourd'hui, choisissez quelques points et vous donnez comme objectif de dire « ça, je vais le faire et je vais y arriver pour ce mois de Ramadan, Inch'Allah ». Merci Hakima d'avoir été avec nous. Merci avec d'avoir plaisir. Répondu à nos questions. Hakima, merci à toi. Si on peut te solliciter, parce que tu donnes aussi des ateliers ou des conférences. Oui, c'est ça. Donc, j'organise des ateliers nutrition sur différents thèmes. D'ailleurs, on en a fait un sur le Ramadan récemment. Vous pouvez me suivre sur mon compte Facebook. Hakima Momen. Hakima Momen. Avec deux M. Voilà, ou sur la page officielle Healthy Lifestyle. Voilà, de toute façon, la vidéo, le lien de la vidéo sera en ligne dans quelques jours et vous aurez toutes les infos concernant nos spécialistes. Rojdi, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, notre coach sportif, Rojdi, toi, tu as ouvert un magasin, c'est une épicerie. Une épicerie assez spéciale. C'est physique. Physical. Nutrition. C'est une épicerie care, qui vend de la poudre. Qui vend de la poudre. Non, qui vend des protéines. Quel lapsus. Une épicerie qui vend de la poudre. Non, qui vend des protéines et des compléments alimentaires. Voilà, des vitamines et des compléments alimentaires. Tu vas avoir des problèmes. Donc, il y a toutes sortes de produits protéinés. Tout ce qui est compléments alimentaires, acides aminés, des vitamines. Mais on a aussi une épicerie donc à l'arrière du magasin, donc tout ce qui est sans sucre, sans gluten, il y a des repas, donc c'est des repas self-care. Ma page, si je peux la dire, ça vous dérange pas ? Bien sûr, self-care. Avec des coachs, des cours. Oui, cours aussi. Donc self-care store Berkem. Mon Facebook c'est Rojdi, R-O-C-H-D-I, donc avec un underscore entre le H et le D. Et voilà. Voilà, merci à vous, merci. On fera une prochaine émission dans quelques temps. Inch'Allah. Avec plaisir, vous serez toujours les bienvenus ici. Je te remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. Voilà, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions et toutes vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à nous joindre via le site internet www.maghrebtv.be. Voilà, c'était une émission spéciale bien-être qu'on en fera, enfin on en fera encore puisqu'elle suscite pas mal d'intérêt. Vous êtes nombreux et nombreuses à réagir. Il y aura une émission spéciale aussi hein, ce vendredi avec Nordin, notre cher Anou, vendredi, une émission spéciale sur le ramadan, etc. Enregistre à quelle heure l'émission vendredi? 14h 10h, ça 10h, 11h, pardon. Voilà, ça 11h, vendredi 11h, si vous avez des questions sur votre spiritualité, comment bien entamer ce mois sacré, ce mois de jeûne, n'hésitez pas, Nordin Touil sera là pour répondre à toutes vos questions vendredi à 11h sur vos antennes, sur l'antenne de Maghreb TV. Voilà, merci à vous de votre fidélité, on se donne rendez-vous dans la prochaine édition d'Oussama Live et de Bonsoir Bruxelles. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite déjà à toutes et à tous un bon ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.